Alors voici les trois raisons pour lesquelles le contrat entre la FECA Foot et One All Sport ne peuvent pas garantir leurs promesses. Alors je tiens à dire que je ne suis pas un anti-Samuel Eto'o. Au contraire, je suis un grand fan de Samuel Eto'o, footballistiquement parlant. Et il ne serait pas question ici de remettre en question son expertise concernant le football professionnel. Cependant, j'estime que les Camerounais doivent savoir un certain nombre de choses qui sont essentielles. Ce que vous devez savoir, c'est que la page de vente de One All Sport, c'est une page de dropshipping. Moi, en tant qu'expert en e-commerce, je vous explique en 30 secondes c'est quoi le dropshipping. Le dropshipping, c'est quoi? Tu vends quelque chose que tu n'as pas. C'est-à-dire que quoi? Lorsque tu fais une commande dans ma boutique, je vais commander en Chine la fabrication de ce produit-là et tu te fais livrer directement chez toi. C'est-à-dire que je n'ai pas de stock, rien du tout. C'est cela qu'on appelle le dropshipping et c'est ça que fait cette page de One All Sport. Alors, comment est-ce que je sais cela? Parce que ça, c'est une page qui a été créée sur Shopify. Et Shopify, pour créer un site de vente, tout ça, ça ne prend même pas 2 minutes. Comment espérer de quelqu'un qui n'a même pas créé une page professionnelle, qui n'a même pas une page professionnelle de vente, peut-il garantir des milliards aux Camerounais? Ça, c'est vivre dans l'illusion. Alors, c'est parti donc pour les trois éléments qui montrent que ça, c'est une page de débutant et qui fait essentiellement du dropshipping. Alors, je vais être factuel et je vais aller sur la page de One All Sport et je vais vous montrer de quoi est-ce que je parle. Alors, vous voyez bien ici qu'on est bien sur la page de One All Sport et cette page a été faite sur Shopify. Et comme je le disais, ça ne prend même pas 2 minutes pour créer une page de vente sur Shopify. Et vous reconnaissez Shopify directement avec cette template, cette forme de template qui apparaît directement lorsque vous ouvrez des pages. Aucune demande déjà d'accepter les conditions de confidentialité, etc., etc. Vous voyez les liens qui sont ici en bas. Si vous cliquez dessus, on a cliqué par exemple sur Twitter, on attend que ça ouvre. Eh bien, vous vous rendez compte que la page n'existe pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de compte Twitter, mais ils se permettent de mettre ça quand même sur le site de vente. Ça, c'est un ingrédient extrêmement non professionnel du tout. Et si on clique sur Facebook, qu'est-ce qu'on constate? Certes, ils ont beaucoup d'abonnés, mais vous savez qu'aujourd'hui sur Facebook, c'est très facile d'avoir les abonnés. Les abonnés peuvent s'acheter. Et voilà, essentiellement, on montre les abonnés camerounais qui sont abonnés à leur page, etc., etc. Alors, le deuxième élément pour reconnaître que c'est une page de dropshipping et pas de e-commerce, c'est-à-dire non professionnel, ce n'est même pas du e-commerce qu'ils font. Tu cliques, quand tu vas sur Cameroun, le système de paiement, il est très connu en fait. C'est-à-dire que si tu cliques par exemple pour acheter, disons qu'on va acheter peut-être ce t-shirt-ci, alors c'est les templates de précommande sur Shopify, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire que on te propose ici là de précommander parce que, et voilà, ils te disent déjà que ça va prendre 2 semaines pour arriver chez toi. Alors, et le troisième élément qui manque, ça c'est essentiellement le dropshipping fait sur Shopify. C'est lorsque vous allez sur le code source de la page et on clique là. Vous voyez que lorsqu'on clique là, vous allez voir Shopify partout ici. Vous voyez Shopify. Partout vous allez voir Shopify ici, Shopify est de partout. Ça montre que ça c'est une page de quoi? Une page de dropshipping, c'est même pas du e-commerce. Et comment vous voulez qu'une entreprise qui fait du dropshipping puisse donner des milliards au Cameroun? Attendez, soyons un peu lucides. C'est-à-dire que ils n'ont pas les moyens de faire une page web professionnel, un site web professionnel, mais ils ont les milliards pour donner au Cameroun.